Bonsoir chers amis, salutations à vous là où vous vous trouvez. Nous croyons que Dieu nous aime et il nous apporte que le meilleur de son amour. Et le meilleur de l'amour de Dieu a été déjà manifesté en ce qu'il a donné son Fils. Et jour après jour, il veut vraiment que nos cœurs soient dans l'allégresse. La vie se complique de plus en plus avec toutes les pandémies, avec toutes ces choses qui arrivent, mais Dieu est toujours le même et Dieu gère toujours le temps. Toutes ces personnes qui nous ont dit autrefois comme étant les maîtres des horloges finissent par comprendre que le temps appartient à Dieu. Le temps n'appartient pas à un homme. Ils peuvent être ce qu'ils sont, ils ne sont que des créatures et tous finissent par mourir un jour. Mais nous prions le Dieu qui ne meurt pas. C'est pour ça que je veux nous inviter, nous convier, avant que nous puissions partager la parole de Dieu, à rentrer dans des temps de prière, dans un petit temps d'adoration. Alléluia. Alléluia à toi, Seigneur. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Alléluia. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Qui crie victoire de maintenant. Son nom y parle. Parole de Dieu, il juge, règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Tu as triomphé du combat, Seigneur, mon Dieu, pour ton peuple. Tu as payé le prix qu'il fallait, Seigneur. Alors que autrefois, tu as dit à ton peuple que vous avez été vendus sans argent et ce n'est pas au prix d'argent que l'on serait racheté. Tu as passé par donner de ta vie, Seigneur. Tu as payé de par ton sang notre purification et notre liberté. Permets, Seigneur, que ce soir, nous puissions te rendre gloire. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Dieu Tout-Puissant, gloire à celui qui a fait de nous une famille, gloire à celui qui a fait de moi et de mes frères ses enfants, gloire à celui qui est notre Père adoptif, tu nous as adoptés Seigneur, non pas afin que nous soyons en second rang dans ta maison, mais afin que nous soyons traités comme ton Fils unique, notre Créateur. Et la Bible déclare que c'est par là que nous sommes héritiers avec lui, co-héritiers avec Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que nous héritons les mêmes choses en tant qu'épouse. Béni soit ta parole, béni soit tes bienfaits. Laisse que toute personne, là où elle se trouve, Seigneur, reçoive ta paix, reçoive ta visitation au nom de Jésus. Bénis ta parole, alléluia. Amen, amen. Nous bénissons notre Dieu qui favorise ces moments, des moments précieux où nous pouvons partager la parole. Tout de suite là, pendant que je priais, je pensais à toutes ces personnes qui sont en réanimation, là où aujourd'hui les médecins disent que c'est saturé. Toutes ces personnes, ils n'écoutent plus la voix de leur pasteur, s'ils en avaient un. Ils ne voient plus la télévision, s'ils étaient habitués à voir la télévision, Netflix, les théories, tout est parti. Au fait, ces personnes se retrouvent toutes seules dans le noir, dans un état où même leurs parents, même leurs amis sont tellement loin. Ça nous enseigne de la vie. Quand nous sommes entourés, quand nous avons la vie autour de nous, quand on peut aller travailler, on peut prendre nos voitures, il ne faut jamais que nous oublions que la vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. Et à un certain moment, tout ce que nous possédons finit par nous abandonner.
Nous nous retrouvons quelquefois des mains des étrangers, que les gens que nous ne connaissons pas, qui s'occupent de nous. C'est là où il est très nécessaire et important que nous puissions valoriser la vie à juste titre. La vie que nous avons nous vient de Dieu et chacun de nous a des comptes à rendre à Dieu. Et je veux exhorter ici l'Église à ne pas prendre le souffle de vie comme étant un gain gratuit. Le souffle de vie, c'est quelque chose que Dieu nous a donné et ce souffle-là répartit vers Dieu. Mais quand Dieu reçoit le souffle, il veut que son souffle revienne à lui avec la mission que ce souffle avait reçue dès le départ. C'est là où la Bible déclare que Dieu jugera tous les hommes. Je nous exhorte non pas à vivre dans la peur, mais à comprendre que la vie est un don. La vie est un don qui nous vient de Dieu et ce don-là est très compliqué, est très compliqué à gérer. Gloire à Dieu. Nous parlons au sujet du pouvoir du sacrifice. Le sacrifice pour tous ceux qui prient et même pour tous ceux qui ne prient pas, en tout cas pour tous ceux qui mènent des activités spirituelles, le sacrifice a une place prépondérante, une place qui est dans le tournant des résultats que l'on a à recevoir après avoir accompli des choses. Et on a vu que même, les premiers jours, j'ai dit que même dans le monde occulte, les gens font des sacrifices. Vous allez voir un féticheur, il fait des sacrifices, il demande des sacrifices. Vous allez voir un magicien, ce sont des sacrifices. Vous allez voir les gourous du monde, ils demandent tous des sacrifices. Pourquoi? Parce que Satan, qui est le maître de la majorité de ces gens-là, a reçu l'enseignement de Dieu dans le ciel là où il était et il a compris que c'est à prix de sacrifice que l'on gagne la puissance, que l'on gagne le pouvoir. Donc le sacrifice fait partie des principes spirituels qui sont incontournables. Et on a dit que Dieu lui-même, le Créateur, a procédé par le sacrifice pour racheter pour lui-même des peuples. Alors que normalement, dans notre conception d'humain, en tant que Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Non, Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il a établi des principes. Lui-même, il rentre dans ces principes-là. Et ça, ce sont des choses que nous saisissons jour après jour, qui doivent nous conforter à comprendre qu'il y a des vérités spirituelles, il y a des choses spirituelles non établies qui ne changeront pas parce que nous sommes chrétiens. Et ces choses-là, on doit les respecter, on doit les honorer. Dieu demande à Abraham de faire un sacrifice. N'oublions pas que l'on a vu, j'ai dit le premier jour, j'ai insisté, que le rêve de Satan, c'est d'arrêter le sacrifice. Parce qu'il sait que quand il n'y a pas de sacrifice dans une œuvre spirituelle, cette œuvre spirituelle perd son efficacité, perd son efficacité. Depuis le début, depuis les premiers jours où Dieu a commencé à travailler avec l'homme, Dieu a voulu un certain type de sacrifice. Peut-être que dans le jardin d'Éden, l'on ne peut pas percevoir le sacrifice, mais nous voyons que Dieu n'a pas laissé Adam et Ève dans le jardin sans leur recommander des choses, sans leur demander de faire certaines choses qui devaient un peu coûter de leur énergie. Il y a aussi une autre chose, nous comprenons qu'après le péché surtout, quand Adam et Ève sont chassés du jardin, alors que Caïn et Abel, leur fils, sont en train, l'un d'être laboureur, l'autre d'être berger, quelque chose se passe, c'est qu'à un certain moment, quand le fruit de leur travail a produit, a enfanté des rejetons, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun, en commençant par Caïn, a eu la décision d'offrir un sacrifice, une offrande à Dieu. Bien-aimés, ce sont des principes qui sont écrits dans notre cœur. Et pour éduquer même un enfant, il faut vraiment beaucoup de sacrifices. Surtout, nous savons qu'avec le monde aujourd'hui, les enfants finissent par abandonner leurs parents à la casse. Dans les EHPAD, ils ne s'en occupent pas, ils attendent que l'héritage. Mais ça ne nous décourage pas en tant que parents de prendre soin de nos enfants. C'est ce qu'on appelle aussi le sacrifice. On a vu que ce sacrifice-là a un pouvoir puissant. A un pouvoir puissant, pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un peuple qui gère le monde entier. Qu'on le veuille ou non, qu'il soit minoritaire ou majoritaire, je ne sais pas. Mais il y a un peuple qu'on appelle les fils d'Abraham, qui sont les présidents des banques, qui sont des hommes et des femmes qui gèrent des firmes, qui sont une puissance qui s'est répandue dans le monde.
Mais personne ne peut expliquer comment ces peuples, qui viennent certainement de l'Orient, d'un petit pays, puissent avoir la main sur le monde. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de persécutions. Les Juifs ont été persécutés partout. Dans toute l'histoire des Juifs, c'est un peu comme dans les histoires des Noirs, il y a eu des persécutions. Mais en est-il qu'on est arrivé à un moment où ils tiennent les clés du monde? Alors, pourquoi cela? Parce qu'un jour, un homme a obéi à la voix de Dieu. Cet homme, quand Dieu lui a demandé de lui sacrifier son fils unique, il n'a pas dit non, il a accepté. C'est ce que nous avons vu les jours passés. Aujourd'hui, nous allons amorcer, nous allons continuer en parlant de ce sacrifice d'Abraham. Abraham, quand Dieu lui demande d'offrir un sacrifice, quelque chose se passe. Il se passe qu'au lieu que Dieu demande à Abraham d'offrir ce sacrifice là où était Abraham, Dieu demande à Abraham de marcher pendant 3 jours. N'y avait-il pas des montagnes dans la ville, dans le village, là où Abraham avait établi sa maison avec les serviteurs qu'il a ramenés de la maison de son père? Je suis sûr, connaissant la géographie de l'Orient, il y a eu des montagnes. Mais il a fallu que pour que Abraham offre ce sacrifice, il a fallu que Abraham devait marcher pendant 3 jours. Tu marches pendant 3 jours pour aller perdre quelque chose, entre guillemets, pour aller offrir quelque chose. Alors là, il y a une voix qui est montée dans mon cœur cet après-midi. Cette voix m'a dit que pour aller offrir un sacrifice, il faut du sacrifice. Il y a du sacrifice dans le sacrifice. C'est-à-dire que quand Abraham décide d'aller offrir un sacrifice, il a fallu qu'il marche 3 jours. Marcher 3 jours avec son enfant, en sachant que je vais offrir mon enfant et certainement je ne reviendrai pas avec. Il fallait vraiment avoir du cœur de marcher. Il est facile de marcher quand je vais pour gagner de l'argent. Il est facile de marcher quand je vais pour remporter quelque chose. Mais là, Abraham marchait pour aller perdre. Parce qu'il ne savait pas encore le retour. Alléluia. Maintenant, il y a une chose, gloire à Dieu, qui se passe, c'est que pendant ces 3 jours, quand je parlerai d'Élie, pendant ces 3 jours, alors que Abraham est en train de marcher, alors que Abraham est en train de marcher avec ses 2 serviteurs, avec les chameaux, avec son fils, je crois que quelque chose se passait dans le cœur d'Abraham. Peut-être que dans son cœur, Abraham disait, « Père, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Est-ce que cette voix-là ne vient pas d'ailleurs? Est-ce que c'est vraiment toi ?» Pendant ces 3 jours, il y a eu le combat dans le cœur. Très important. Et la gloire des dieux se répand surtout dans la vie des gens qui ont gagné les combats du cœur. Nous avons souvent tendance à combattre les gens que nous voyons. Mais nous ne savons pas que le grand combat, c'est le combat qui se passe dans le cœur. C'est là où on a vu que sacrifice qui vient de Corban en hébreu a pour racine le kriev qui veut dire le combat intérieur. Bien aimé, personne n'a donné à Dieu sans que son combat intérieur soit fort. Plus ton combat est fort, plus tu le remportes, plus tu verras Dieu d'une manière différente. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Salomon. Salomon est roi. Salomon a un peuple qui a faim, un peuple qui en veut, qui veut s'enrichir. Mais Salomon prend des milliers d'animaux pour sacrifier. Ce n'était pas facile. Ce n'est pas parce qu'on est roi qu'on peut sacrifier facilement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un combat intérieur. Pour aller sacrifier, il faut du sacrifice. Et le sacrifice d'Abraham, c'était de marcher encore 3 jours en sachant que j'allais pour déposer mon enfant en offrande. Donner, sacrifier mon enfant en offrande. Oh, alléluia. Ainsi, on a compris que il y a quelque chose qui se passe. Les 3 jours de marche. Les 3 jours de marche. C'était difficile. Mais il fallait que Abraham puisse le fermer. Pourquoi Dieu a voulu que 3 jours s'écoulent? La question que je me pose, pourquoi Dieu a voulu que Abraham marche encore pendant 3 jours?
Pourquoi dans sa divinité, Dieu n'a pas permis que quelque chose se passe, que Abraham parte en pèlerinage avec ses gens vers cette montagne de Moria, et qu'arrivé là-bas, Dieu dise à Abraham, déplace-toi, va offrir ton fils. Mais Dieu a résolu que Abraham marche pendant 3 jours. Parce que pendant ces 3 jours, il y a quelque chose qui se passe dans l'arbitrage de Dieu. Le sacrifice d'Abraham n'a pas commencé sur la montagne de Morija, mais le sacrifice d'Abraham a commencé depuis le premier jour où il a marché. C'est très important. Quelles sont les pensées que nous avons? C'est là où, c'est pendant la marche, que le fils vient à dire, il y a le couteau, il y a le feu, mais où est l'agneau? On va développer au sujet du couteau, de l'agneau, au sujet du feu. Ce sont des ingrédients qui sont très importants pour qu'un sacrifice soit agréable. Vous savez, même si quand nous donnons à Dieu, nous attendons pas que Dieu nous donne, mais ce qui est sûr, c'est que quand nous donnons à Dieu, il y a un mouvement qui se déclenche. Dieu nous répond d'une certaine manière. C'est là où quand les sacrifices sont faits, il y a toujours une fumée qui monte. Je tiens langage spirituel, c'est-à-dire que quand nous offrons à Dieu quelque chose, le trône de Dieu bouge. Quand c'est une chose qui touche le cœur de Dieu, Dieu bouge. Souvenez-vous de ce que Esaïe a vu au chapitre 6. Il a vu le temps de la mort, après la mort du roi Ozias, quand les anges ont offert des louanges et de l'adoration, Dieu a bougé, la fumée a monté. Et ces mêmes choses se sont vues quand Salomon a offert le sacrifice, au point où même les sacrificateurs qui ont été dans le temple depuis longtemps, mais le jour où Dieu décide de venir parce qu'il a agréé le sacrifice, personne ne pouvait se tenir. Donc il y a toujours un mouvement quand nous sacrifions à Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive que beaucoup de gens ont eu à faire des sacrifices à Dieu, mais on a toujours eu du mal à récolter. Il n'y a pas de mouvement. On a l'impression que les choses se sont empirées. On a l'impression que Dieu n'est pas là. C'est comme si Dieu n'était pas d'accord. Parce que le sacrifice, quand nous l'offrons, c'est vrai, quelquefois, il y a certains problèmes qui persistent, mais il y a un mouvement spirituel qui se passe. Et ce mouvement, quelquefois, est ressenti. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours une fumée qui monte. Et regardez un peu l'histoire. Abraham, Dieu a honoré le sacrifice quand il a dit oui et quand il a commencé à marcher. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, qu'est-ce qui se passait dans son cœur? Quelquefois, quand il était là, quand il voyait Isaac, son fils, devant, qu'est-ce qu'il disait? Ah, je vais aller perdre cet enfant-là. Vous savez, quelquefois, tu peux prendre la décision pour dire que non, moi, je vais sacrifier pour Dieu. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, beaucoup de gens ne comprennent pas que le diable est en train de combattre leur vie en combattant leur esprit de sacrifice, en combattant leur cœur à sacrifier. Aujourd'hui, quand ils vont voir les féticheurs, quand ils vont voir les marabouts, ils leur demandent d'acheter des choses. Ces gens-là se précipitent à acheter des choses. Mais quand il s'agit pour Dieu, vous remarquerez qu'on commence à sortir un certain langage, de sorte que l'église, l'argent, les églises, l'argent. Mais et pourtant, ils ne se plaignent jamais de l'argent que les marabouts, que les maisons occultes leur demandent. Pourquoi? Parce que Satan est caché derrière ça. Tout est sacrifice. Et Satan veut le combattre. Donc je disais que Abraham, quand il voyait son enfant passer devant, pendant qu'ils étaient en train de partir sur les chameaux avec les serviteurs, qu'est-ce qui se passait dans son cœur? Il y avait un combat. Et à ce moment-là, peut-être qu'il voyait la beauté de son fils Isaac. Un enfant beau qui me ressemble. Un enfant extraordinaire qui sait parler, qui respecte ses parents, qui respecte sa mère. Voyez-vous, à ce moment-là, le diable vient te parler pour que tout ce que tu veux sacrifier, qu'il te montre l'avantage. Il te montre la beauté de ce que tu veux sacrifier pour que toi tu arrives à abandonner le sacrifice. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé dans la vie de beaucoup de gens, n'est-ce pas? Ils ont eu à prendre à faire des vœux, à prendre des décisions devant Dieu. Mais quand on est dans le temps où la demande est faite et le sacrifice qui doit être fait, dans ce temps-là, le combat intérieur a été remporté par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'on a fini par dire que non, ça c'était pas Dieu. D'ailleurs, Dieu peut attendre. Voyez-vous, et en adoptant ce chemin-là, cette route, cette voie, beaucoup de gens sont passés à côté de la gloire qui les attendait. Mais heureusement, avec le Seigneur, ce n'est pas trop tard. Mais même quand ce n'est pas trop tard, la bénédiction ne vient plus sous la même forme parce qu'on a perdu le temps. Et la bénédiction est quelquefois liée avec le temps et les circonstances. Ça, c'était notre message. Donc,
On a compris que pour qu'il y ait un sacrifice, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qu'on appelle le couteau. Ce sont des choses spirituelles que l'on doit maîtriser. Le couteau, c'est l'instrument qui fait que quand tu as ton animal, tu coupes l'animal. Plus le couteau est bien aiguisé, plus couper l'animal deviendra moins difficile. D'accord? Donc, si le couteau, si la lame du couteau n'est pas bien aiguisée, tu dois user encore de force pour couper l'animal. Et si le couteau est bien aiguisé, tu couperas l'animal, quelquefois l'animal ne sentira pas. Parce que c'est passé très vite. D'accord? Donc, quand on parle du couteau dans le langage spirituel, dans le jargon spirituel, on parle de la détermination. Il n'y a pas de sacrifice agréé sans détermination. Quand tu veux donner le sacrifice à Dieu, il faut être déterminé. Rien ne peut plus t'arrêter. C'est-à-dire, c'est entre toi et Dieu. Tu n'as plus à penser sur ce que tu vas perdre. Tu penses simplement à ce que tu dois faire. La détermination est très importante, capitale dans la manière dont Dieu peut ou ne pas honorer notre sacrifice. Ça, c'est très important. Voyez-vous, Dieu n'aime pas les choses qui n'ont pas, qui sont pas déterminées. Il n'aime pas les choses qui n'ont pas la forme. D'accord? Parce que tout ce qui n'a pas de forme vient toujours à attirer la réaction de Dieu. Déjà au départ, la Bible dit que la terre était informe et vide. C'est parce que la terre est informe et vide que ça poussait Dieu à parler pour changer les choses. Donc, Dieu, ce qu'il n'aime pas, c'est que quand nous voulons faire quelque chose pour lui et par lui, que nous soyons hésitants. Dieu aime les gens déterminés qui vont sans regarder en arrière. La Bible déclare que celui qui met la main sur la charrue regarde en arrière n'est pas digne. C'est-à-dire que pour Dieu, il faut un côté aiguisé. Donc quand tu t'engages, tu te détermines, tu ne recules plus. Il n'y a plus personne qui peut te faire reculer en arrière. J'aime les gens qui chantent. Je marche, je ne reculerai plus en arrière, mais il faut que ça soit réel dans nos vies. Donc, un jour, pendant que l'apôtre Jean à Patmos reçoit la révélation, il dit à cette église que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Pourquoi? Parce que cette église est tiède. Or, quelque chose qui est tiède se trouve entre deux fleuves. Ça dit que tu n'es pas déterminé. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es froid? Or, Dieu aime que les gens soient soit chauds, soit chauds, soit froids. Mais sauf que cette église est tiède. À cause du fait que cette église est tiède, Dieu dit que je te vomirai. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de feu, mais Dieu n'aime pas un feu de feu. Dieu aime les gens qui sont déterminés. Dieu aime les couteaux qui sont bien taillés, bien aiguisés. C'est très important. C'est là où le Seigneur a dit, mais pourquoi vous boitez-vous des deux côtés? Vous êtes vous boitez à gauche, vous boitez à droite. Il faut être linéaire. Et quand il parle à Judas, il dit à Judas, le mal que tu veux faire, ce que tu veux faire, fais-le promptement, fais-le bien. Dieu respecte les gens qui font des choses avec détermination. Et le diable combat notre détermination. Et le combat sur la détermination est un combat qui affecte le cœur. Ça se passe dans le cœur, personne ne le voit. Mais dans ton cœur, il y a comme un mouvement. Il y a comme un tourbillon, il y a comme des vagues qui se lèvent. Parce que le diable veut que tu renonces à ce que tu vas faire. Et quand il n'arrive pas à gagner, à te gagner dans ton cœur, il touche ton entourage pour te détruire. C'est là où nous devons vraiment saisir la main du Seigneur pour aller jusqu'à la fin. Nous ne comprenons pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Beaucoup de gens mettent de la forme, mettent du temps à l'introduction, mais ils oublient que la chose la plus importante dans la foi, c'est aussi bien que l'introduction est importante, mais c'est en tout cas la conclusion. La fin détermine toute chose. Quelqu'un peut commencer dans le péché et terminer dans la foi. Cette personne sera reçue de Dieu. Mais celui qui a commencé dans la foi et termine par le péché, cette personne sera chassée. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par l'esprit, ils ont fini leur vie par la chair. Donc le couteau, c'est ce qu'on appelle la détermination, mon frère. N'hésite jamais avec Dieu. C'est là où on dit même dans Hébreux 11, que vous connaissez au verset 1er, que la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire que tu es ferme. Tu es déterminé, tu es posé, tu es fixé et rien ne peut te bouger.
Ainsi, pour offrir un sacrifice, il faut le couteau. C'est-à-dire, il faut être déterminé. Pas avec hésitation. C'est même pour cette raison-là que même quand Dieu demande à Moïse et aux autres de demander le sacrifice au peuple, Dieu n'a jamais imposé le sacrifice. Parce que quand le sacrifice est imposé et que les gens donnent le sacrifice, pas d'un bon cœur, mais ce sacrifice est reçu, mais ce sacrifice n'est pas agréé. Ce qui est reçu n'est pas forcément agréé. Au fait, c'est comme l'offrande de Caïn a été reçue, mais ce n'est pas agréé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une offrande, plus excellente. C'était l'offrande d'Abel, selon que Hébreu nous le dit au chapitre 11, verset 4, je crois. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'il faut la détermination. Il faut la détermination. La deuxième chose, c'était ce qu'on appelle le feu, n'est-ce pas? Le feu. Il y avait le couteau, il y avait le feu. Le feu que nous voyons dans Hébreu, pour un sacrifice, il faut d'abord le couteau, parce que le couteau doit permettre à ce que l'animal soit coupé. Il y a une deuxième chose qu'on appelle le feu. Et le feu en hébreu, ça vient du mot hesh. La hesh, c'est au féminin. Hesh, est-ce qui veut dire aussi flamme? C'est-à-dire, quand tu veux offrir un sacrifice à Dieu, nous ne sommes plus dans le temps où on prenait les choses et on les posait physiquement. Nous sommes dans une période spirituelle. Donc ces choses doivent s'accomplir dans le spirituel quand on offre un sacrifice à Dieu. Donc, à part le couteau qui est la détermination, il y a ce qu'on appelle la hèche, qui est le feu. Or, le feu, c'est la flamme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être déterminés à le faire, mais ils n'ont pas le désir de le faire. Ils sont déterminés, pourquoi? Parce qu'ils veulent faire plaisir à quelqu'un. Ils ne désirent pas le faire, mais ils le font par contrainte. Certaines personnes, c'est comme quelqu'un qui gagne l'argent en tuant les autres. Quelquefois, il n'aime pas le travail qu'il fait, mais à cause de l'argent, il est déterminé à aller tuer les autres. Donc, on peut avoir la détermination sans avoir le désir. Or, pour le sacrifice, il faut avoir les désirs aussi qui s'associent à la détermination. Donc, il faut avoir une flamme quand tu le fais. Ça veut dire que ce que tu veux faire, fais-le avec joie. Pas avec contrainte. Quand tu sèmes pour le Seigneur, même si, je ne sais pas, les larmes, ça doit être les larmes d'amour. C'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose à Dieu, on le fait avec joie. Pourquoi? Quand il n'y a pas la joie, la voix du diable parle encore plus fort. Parce que la voix du diable te parlera de toi, alors que la voix de ta foi te parlera de Dieu. C'est alors que, quand tu veux offrir un sacrifice, il faut le feu. C'est ce désir-là qui fait monter la fumée vers le Seigneur. C'est ce désir-là qui brûle l'agneau. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu n'a pas donné, il a aimé après. Non, Dieu a tant aimé, c'est-à-dire que l'amour passe avant de donner. C'est-à-dire le désir de Dieu pour gagner le monde a poussé. Alléluia. A poussé à ce que cette flamme qui était dans le cœur du Seigneur a poussé à ce qu'il ne se retienne pas, a donné son fils unique. Donc il faut le couteau qui est la détermination dans la dimension de la foi. Il faut une autre chose qu'on appelle le hesh, c'est-à-dire le feu qui est la flamme, le désir de faire ce sacrifice. Il faut, je gagne du temps, hein, n'est-ce pas? Il faut encore une troisième chose qu'on appelait le bois. Parce que le fils a dit, il y a le feu, il y a le bois. Mais où est l'agneau? Il faut le bois. Le bois ici vient de l'hébreu hamash, hamak, on crie hamak, mais hamash. C'est-à-dire que c'est un bois sec. Un bois sec fait partie d'un arbre qui avait la racine, qui avait de la semence, qui avait de la sève dedans. Maintenant, on l'a coupé de ses racines. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le sacrifice que Dieu reçoit, c'est le sacrifice de quelqu'un qui ne dépend plus de lui-même, qui ne dépend plus de sa vie, qui dépend que de celui qui l'a tiré. Autrement dit, le bois ici, c'est quelqu'un qui est coupé de ses gains d'autrefois. Comme Paul dit que tout ce qui avait de la valeur pour moi, désormais, je les considère comme n'ayant plus de valeur. C'est-à-dire que Dieu honore les sacrifices, pour aller rapidement, Dieu honore le sacrifice de quelqu'un qui est obéissant à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas attaché à ses racines, qui est simplement attaché à Dieu. D'accord? Et ça, c'est très important. Un bois, c'est quelque chose qui est déraciné, n'est-ce pas?
c'est pas un arbre, c'est un bois, un bouquet déraciné. Ça veut dire que il ne vit plus, ce morceau-là ne vit plus comme il vivait autrefois. Autrefois, il y avait des choses sur lesquelles il pouvait s'appuyer. Désormais, il n'a de vie que pour celui qui le tient. Donc, quand on parle de bois, on parle de l'obéissance. Il y a trois choses jusque-là qui sont importantes pour le sacrifice. Il y a premièrement ce qu'on appelle le couteau, qui est la détermination. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le feu, la flamme, qui est le désir de le faire, déterminé mais avec désir volontaire. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. C'est-à-dire que quand je veux offrir un sacrifice, je dois offrir un sacrifice non pas comme un vivant, mais comme un mort. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, un mort, tu peux toucher sa maison, il ne dira rien. Un mort, tu peux rentrer dans sa voiture, prendre sa voiture, le mort ne dira rien. Un mort, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que dans le sacrifice, il n'y a plus de raisonnement. Quand tu veux offrir un sacrifice, tu dois être comme un bois déraciné, c'est-à-dire comme un bois sec. Dieu, ici, il demande à Abraham d'offrir son fils. Abraham a dit oui. Pourquoi? Mais un père ne peut pas aller jusque-là offrir son fils, à tuer son enfant. Mais si Abraham l'a dit, c'est parce qu'il a dépassé la dimension de l'homme qu'il était. Sa femme est usée, Sarah ne pouvait plus enfanter. Mais Dieu lui demande d'offrir son sacrifice, son fils en sacrifice. Il ne dit pas non, c'est pourquoi? Parce qu'Abraham était devenu comme un bois. Comme un bois, il se laisse. Alléluia. Tout comme son fils Isaac, quand il a attaché son enfant, l'enfant ne s'est pas agité. Je crois que de sa vieillesse, alors que Isaac est jeune, Isaac avait la force de fuir loin de son père. Abraham a 100 ans passé déjà. Mais Isaac est resté là. Pourquoi? Parce que Dieu n'honore que les bois. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on est comme des bois secs qui sont greffés sur ce qu'on appelle le bois, l'arbre de vie, le bois de vie, le bois dans lequel la sève coule, dans lequel la sève coule. Ce que je veux dire, c'est que il y a le couteau, la détermination, il y a ce qu'on appelle le feu, le désir, la flamme, il y a ce qu'on appelle le bois, c'est-à-dire l'obéissance totale. Sans réfléchir, j'accepte. Dieu me dit, mon fils Patrick, fais ceci. Amen. C'est ça le sacrifice que Dieu honore, quel que soit le combat qui se passe dans le cœur. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, je veux vraiment terminer avec cet enseignement aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose qui est très important que je vais vous dire. C'est que le sacrifice d'Abraham, c'est le sacrifice d'un père. Très important. Or, nous sommes dans une dimension après Abraham. Donc, après Abraham, il y a d'autres éléments qui rentrent dans le sacrifice. Je veux vraiment que nous arrivions à capter cette dimension prophétique des choses. Abraham a offert le sacrifice sur l'autel. Ok? Isaac et Jacob, les fils, ont offert aussi les mêmes sacrifices, dans le même type. Mais sauf que dans le temps d'Israël, dans le temps des fils, la dimension sacrificielle a changé. Nous sommes dans le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 18. Donc, retenez que dans le sacrifice, il y a d'abord des éléments qui sont primordiaux. Il y a premièrement le couteau, deuxièmement le feu, que je mettrai entre guillemets, parce que le feu à ce niveau-là, au temps d'Abraham, c'est un désir qu'Abraham a dans le cœur à obéir à ce que Dieu fait. La troisième chose, c'est le bois. Mais il y a l'agneau qui est présent dans tous les sacrifices. Mais je veux rentrer maintenant dans la dimension prophétique que nous, l'Église, on doit saisir. Je disais 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 29. Il est écrit, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent. Donc nous sommes là dans l'histoire où le prophète Élie constate qu'en Israël, ils ont changé de vision. Dieu n'a plus sa place. Ils sont allés vers des idoles, vers des divinités. Ils servaient Baal et Astarté. Et ce jour-là, on a eu marre. Élie convoque les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté sur la montagne de Carmel. Et là,
Élie arrive à engager quelque chose parce qu'Élie savait que si Dieu est resté silencieux en Israël, ce n'est que par le sacrifice que Dieu peut se manifester. Le pouvoir du sacrifice. Maintenant, il propose un défi à ses prophètes des ténèbres. Quel est ce défi? Le défi se positionne au niveau du sacrifice. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, le sacrifice a un pouvoir. Que personne ne t'empêche de sacrifier. Que personne ne t'empêche de sacrifier pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Quand il les convoque, il laisse que les prophètes de Baal et d'Astarté fassent leur incantation, leur invocation, tout ce qu'ils ont fait. Depuis le petit matin jusqu'à midi, ils ont fait des choses, rien. Leur Dieu n'est pas manifesté. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de sacrifier, Dieu se lève toujours plus fort que le Dieu ennemi. Quand il s'agit de sacrifier, quand il s'agit d'honorer le sacrifice, Dieu est toujours le premier. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur, c'est lui que toutes choses appartiennent. Et cette place-là, il ne peut pas laisser ça à d'autres personnes. Et ceux qui offrent à d'autres dieux, au lieu d'offrir à Dieu, ces gens-là, ça tire un jugement. Parce que seul Dieu a créé le monde. Donc, après qu'ils aient fait leur invocation, là on est au verset 29, il dit, « Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe, ni attention. » Donc leur Dieu, Dieu les a assignés là où ils étaient. Dieu les a cloués, Dieu les a... Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Peuple, tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel. Élie savait que ce qui a fait que les idoles sont rentrées en Israël pour détruire le peuple de Dieu, c'est parce que l'autel est de l'Éternel, c'est-à-dire que la base du sacrifice a été renversée. C'est là que vous comprendrez que personne ne condamne jamais ce que les féticheurs, les marabouts demandent aux gens pour qu'ils réussissent dans leur vie. Mais quand il s'agit des sacrifices qui doivent se passer dans l'église, beaucoup de voix s'élèvent. Je suis d'accord, comme j'ai toujours dit, que les églises aujourd'hui n'utilisent pas le sacrifice comme Dieu le voulait, parce qu'il y a encore des pauvres au milieu de nous, malheureusement. Mais l'église doit recevoir les sacrifices, parce qu'en les recevant, elle doit gérer de sorte que ces sacrifices puissent mettre tout le monde à l'aise. Parce que dans l'église de Dieu, l'homme doit venir pour trouver aussi un peu sa part. Alléluia. Il ne vient pas seulement pour trouver amour, il vient aussi pour trouver quelquefois à manger. Mais ce sont ceux qui ont qui donnent à ceux qui n'ont pas. Ça, ce sont des principes. Le monde nous l'enseigne, malheureusement, ces principes-là, l'église, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Élie rétablit d'abord l'autel. Dans ta vie, rétablit l'autel de Dieu. Il rétablit l'autel. Ok. De l'Éternel qui avait été renversé. Donc les Jézabel et compagnie avaient renversé l'autel de l'Éternel. Au verset 31, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Regardez la différence. La différence avec Abraham, c'est qu'Abraham n'a pas de fils. Abraham n'a qu'un fils. En tout cas, l'héritier Isaac. Donc il bâtit son autel sur sa foi à lui. Sur l'amour, l'obéissance qu'il avait à Dieu. Mais quand arrive le temps, non pas du sacrifice des pères, Abraham, Isaac et Jacob, le temps des sacrifices prophétiques des prophètes, il fallait à tout prix qu'ils prennent 12 pierres. Quand on parle des 12, on parle de l'ensemble, on parle des 12 tribus d'Israël, comme les 12 apôtres, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'image de l'église, l'image du corps. Ok? Donc, Élie veut nous enseigner ici, c'est que Dieu n'honore que les sacrifices qui sont bâtis sur les 12 pierres. Dieu honore les sacrifices qui sont bâtis sur les 12, sur le corps. Tu ne peux pas offrir un sacrifice à Dieu qui est bâti sur 11 pierres. Je parle des 12, c'est un texte prophétique pour toi et moi. Ça veut dire que quand je vais offrir un sacrifice, je dois poser mon acte dans l'esprit du corps. Beaucoup de gens offrent leur sacrifice à quelqu'un. Mais non, quand on offre un sacrifice, on offre dans l'esprit du corps. Je vous parle des ingrédients qui font qu'un sacrifice peut être puissant.
si j'offre sacrifice à ma soeur qui est la Naomi, qu'est-ce qui va se passer? À un certain moment, j'attendrai le retour de Naomi quand j'en aurai besoin. Mais quand j'offre le sacrifice du corps, je n'attends de personne parce que c'est à tout le monde que j'ai donné. Ainsi, tout le monde rentrant dans la dimension du corps, ça crée l'équilibre. Beaucoup de gens sont partis dans des églises. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent que dans cette église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné ceci. Mais à mon tour, personne n'est venu. Mais non, parce que nous ne sommes pas dans l'esprit du corps. Élisée, pour donner le sacrifice, il a mis tout le monde ensemble. C'est-à-dire qu'il a donné pour tout le monde. Il a rassemblé le corps. Il a rassemblé les 12 pierres. C'est là que vous comprenez que la Bible déclare que si tu veux donner ton offrande et que tu te souviennes que tu as un problème avec ton frère, laisse-la d'abord ton offrande hors du panier, hors du tronc. Va, range le problème, arrange le problème avec ton frère. Ensuite seulement, tu viens pour donner ton sacrifice. Bien-aimés, souvent nous n'avons rien reçu en retour. Souvent nous n'avons vu aucun moment autour de nous. Pourquoi? Parce que nous offrons des sacrifices à Dieu. Mais dans notre cœur, nous avons emprisonné des gens. Dans notre cœur, nous sommes contre quelqu'un. Dans notre cœur, nous avons de la haine, nous avons de la colère contre quelqu'un. Tout cela, ce n'est pas urgent. Arrangeons d'abord notre cœur avant d'offrir le sacrifice. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, le cœur détermine la puissance du sacrifice. Dieu n'est pas impressionné par la quantité de ce que nous lui apportons. Dieu est impressionné par le cœur qu'il lui apporte, par les dispositions du cœur qui lui apporte l'offrande ou le sacrifice. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve. Elle n'a pas apporté comme les pharisiens apportaient. Elle n'avait pas quelque chose d'extraordinaire, mais son cœur, c'est ce que Dieu a honoré, comme Dieu avait honoré le cœur d'Abraham en faisant ce sacrifice. Très important. Élie prit 12 pierres au verset 31, d'après le nombre des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Gloire à Dieu. Au verset 32, il est écrit, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Un autel au nom de l'Éternel. Terrible. Il fit autour de l'autel un fossé de capacité de 2 mesures de semences. Gloire à Dieu. Donc, on avait vu avec Abraham, c'est qu'il y a des ingrédients qui rentrent obligatoirement dans le sacrifice. Il y a premièrement le couteau qui est la détermination. Il y a secondement le feu qui est la flamme, le désir. Il y a troisièmement le bois qui est la forme de l'obéissance. Ici, on a compris aussi, il y a ce qu'on appelle l'unité. L'unité doit rentrer dans ton sacrifice. C'est-à-dire que comme moi, Dieu peut me dire que non, prends ceci, donne pour l'œuvre. Quand je donne à Dieu, je donne pour que l'église aille de l'avant, pas pour qu'une personne aille de l'avant. C'est-à-dire que je suis dans la dynamique, je suis dans la dimension de bénir mon pasteur, de bénir le prophète, l'apôtre, de bénir l'homme de Dieu, mais pour que les autres soient bénis. Je ne vois pas au travers l'homme de Dieu, il ne fait en soi, parce que le jour où il ne priera pas pour moi, où j'aurai besoin de lui, ce jour-là sera le jour où je vais pécher, où je vais quelquefois détruire les conséquences, au fait, ce que mon sacrifice m'aurait apporté. C'est là où on doit fixer nos regards. Quand nous donnons à Dieu au travers l'homme, au travers des hommes. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, la troisième chose, la quatrième chose, j'avais dit, c'est les pierres. Les pierres rentrent dans le cadre de l'unité, dans le cadre du corps. Nous sommes ensemble. Ce que je donne pour les autres aussi. Très, très, très important. C'est pourquoi quand on bénit les hommes de Dieu, c'est parce qu'on sait qu'eux aussi, ils peuvent bénir les autres. Eux aussi, ils sacrifient leur vie pour nous faire du bien. On les bénit. Mais c'est au niveau de nous, hommes de Dieu, qu'on doit saisir que quand les gens ramenaient des sacrifices en déposant aux pieds des apôtres, c'était d'abord pour que l'église soit maintenue et que les gens qui venaient ne manquent de rien. Personne ne manquait de quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui est très capital. Blessed be the Lord. Il dit au verset 32, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel, et il fit tout autour un fossé de capacité de 2 mesures de sémence.
L'autre chose qui rentre dans le cadre, la cinquième chose, qui rentre dans le cadre du sacrifice de notre temps, pas du temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais dans notre temps, le sacrifice prophétique, c'est ce que l'on appelle le fossé. Pour offrir un sacrifice, il faut quitter la dimension de l'homme, descendre. Ce n'est qu'en descendant que ton sacrifice montera plus haut. C'est le principe de la balle qui rebondit. Si tu ne descends pas, il sera difficile que ta balle monte encore plus haut. Donc il faut quitter le niveau des hommes. Quand on parle de niveau des hommes, on parle du niveau du monde, du niveau de l'orgueil. Il faut être abaissé. Il faut descendre. Si le sacrifice de Christ a été honoré, c'est parce qu'il s'est humilié d'abord. Jésus n'est pas venu directement à la croix. Lui qui est Dieu, il est venu, il a marché parmi les hommes. Les hommes ont craché. Avant de se donner à la croix, il fallait qu'on arrache sa barbe. Les gens ont craché sur lui. C'est ça, être humble. Les gens lui ont montré le doigt, les gens l'ont invité chez eux. C'était peut-être des pécheurs, mais lui, il est Dieu. Quand il va dans la maison des pharisiens, il rentre chez Jaché. Mais il est Dieu. Mais il ne s'est pas vu comme étant égal à Dieu, dit Hébreu. Il s'est rabaissé, il est rentré dans les maisons des gens qui n'étaient pas dignes de le recevoir. Parce qu'il est trop saint. Pourquoi? Parce que pour que Dieu honore d'abord le sacrifice d'élévation, il faut d'abord que toi tu te rabaisses. C'est là où on parle du pouvoir de la fossée. Bien aimé, si tu es orgueilleux, Dieu résistera aussi à ton sacrifice. Si dans ton cœur il y a des semences d'orgueil, nous offrirons des millions et des millions à Dieu. Dieu résistera à notre sacrifice. On ne sera plus dans l'image de perdre l'argent que de s'aimer l'argent. Alléluia. Donc l'humilité est quelque chose qui doit nous accompagner en tout ce que nous faisons. Non pas seulement dans nos discours avec les uns les autres, mais aussi dans notre façon de nous approcher avec saint tremblement, avec l'humilité. Quand nous offrons à Dieu, nous sommes humbles. C'est-à-dire que nous reconnaissons que tout ce que nous avons reçu, ce n'est que Dieu qui nous les a donnés. En fait, nous n'avons jamais donné quelque chose à Dieu. Nous rendons simplement à Dieu ce qu'il nous a donné. Ça, c'est très, très important. Donc, à part la fossée, qui avait deux mesures de semences, au verset 33, il est écrit... Il arrangea le bois que nous avons déjà vu, coupa le taureau par morceaux, c'est-à-dire avec le couteau, et le plaça sur le bois. Gloire à Dieu. Puis il dit, remplissez d'eau quatre cruches. Hey. Nous avons vu qu'il y avait cinq éléments. Le cinquième élément, c'est ce qu'on appelait l'humidité, n'est-ce pas? Nous allons voir une autre chose. Il est écrit... que Élie ici demande aux gens qui étaient là de prendre quatre cruches et de remplir d'eau ces cruches. D'accord? Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi d'eau le fossé. Oh. Élie. Il dit aux gens qui sont là de remplir les cruches d'eau. Quatre cruches. Et ces quatre cruches-là devaient être remplies pendant trois tours. Ça veut dire 4 plus 4 plus 4. Donc on arrive à 12 cruches. D'accord? Mais je ne veux pas aller dans le chiffre 12. Vous savez qu'en hébreu, les nombres ont leur signification. C'est-à-dire que par le nombre, Dieu donne un message qui est profond. Vous savez qu'avec moi, vous savez que le chiffre 4, dans la langue hébraïque, parle du cosmos. D'accord? Parle de l'univers, les 4 points cardinaux par exemple. Ça parle du cosmos. Je veux que nous comprenions les conséquences du sacrifice d'Élie. Spirituellement et matériellement, physique, métaphysiquement aussi. Donc, 4 parle du cosmos. Le chiffre 3 parle de la dimension des temps. Ok? Donc, quand on parle de la dimension de temps, on parle du passé, on parle du présent et on parle du futur.
Donc quand Élie est en train de faire ce sacrifice-là, en exigeant 4 cruches et 3 tours, il est en train de détruire les œuvres du diable par rapport aux conséquences du passé, parce qu'à ce qui est fait dans le passé. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans le Seigneur, en tout cas l'Église, ces gens-là subissent encore les influences des grands-pères, les pactes qui ont été faites dans le temps. Or, le sacrifice d'Élie a été fait de sorte que tout ce que les prophètes de Baal ont avaient semé au travers leur monde, tout ce que les prophètes d'Astarté avaient semé par le sacrifice, il agissait dans le passé, il agissait dans le présent, il agissait dans l'avenir. Vous comprendrez pourquoi Jésus aussi a fait 3 jours sous le tombeau. Pourquoi? Parce que son sacrifice, ces 3 jours-là, Jésus agit dans le passé. Je sais que ça t'étonne, mais souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit, qu'il est allé dans les régions inférieures pour annoncer aux gens qui sont morts au temps du déluge, au temps de Noé. C'est-à-dire qu'il est mort peut-être en l'an 0, mais il est rentré pour repartir en arrière. Pourquoi? Parce que le sacrifice de celui qui est saint influence le passé, influence le présent et influence le futur. Ça veut dire que si dans ma famille, j'ai quelquefois des problèmes, des liens à cause des sacrifices que j'offre, quand je l'offre dans la dimension d'Élie, ça veut dire que même les liens du passé peuvent être touchés. Gloire à Dieu. Tu peux repartir dans le passé, arranger les choses du passé par le sacrifice. C'est pour cela qu'il est écrit que Élie leur a dit de faire ça 3 fois. Et ce n'est que la 3e fois que l'eau coula sur l'autel. 3, c'est aussi la plénitude. C'est-à-dire que il faut faire des choses dans une dimension des révélations. C'est très important. Et la révélation nous est donnée par la parole. Ce n'est pas par autre chose. Ce n'est pas un pasteur qui va dire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut monter sur les arbres. Non, la parole a déjà tout dit. C'est juste à nous de savoir lire la parole, de mettre les choses en pratique. Faites ça pendant 3 fois. C'était un même sacrifice fait entre le puits de l'humilité, le puits tout autour de l'autel a été rempli sur 3 fois pour que l'eau puisse atteindre une certaine dimension. Pourquoi? Parce que Dieu voulait passer par une folie afin que le peuple soit vraiment sûr que ça c'était l'œuvre que Dieu voulait faire. Regardez ce qui est écrit dans la suite. Au verset 35, on dit l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau, le fossé. Gloire à Dieu. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, pas de Jacob, et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi. Le sacrifice de Élie est fait sans feu. Alors que le sacrifice d'Abraham a été fait avec le feu qu'Abraham a ramené, il avait les allumettes de ce temps-là. Je ne sais pas quel type d'allumettes ils utilisaient, mais ils avaient de quoi. Je ne sais pas si c'était en tamponnant des pierres que le feu s'allume, mais il avait un feu. Mais nous sommes dans le temps de la grâce, le temps de la prophétie, le temps des fils de Dieu. Et tout ce que nous faisons doit nous être inspiré de Dieu. C'est du ciel que ce désir-là, le feu, le désir que j'avais dit, c'est du ciel aujourd'hui que ce désir doit monter. Donc, moi, si je dois faire quelque chose, je dois prier que Dieu mette ça dans mon cœur, que Dieu agrée ça déjà en envoyant ce désir dans mon cœur. Pourquoi? Comme des problèmes qui arrivent toujours, souvent nous avons fait des sacrifices. Au lieu que le feu vienne du ciel, le feu venu de nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous voulons montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Nous voulons marquer le cœur de quelqu'un. Or, en voulant marquer le cœur de quelqu'un, à la fin, nous finissons par détruire nos relations. Du fait que tout ce qui est fait de la chair n'a pour résultat que la chair. Et la chair est improbable. On ne sait pas si elle finira par faire du bien ou du mal. Mais les sacrifices doivent se faire. Le feu du sacrifice de ce que nous devons faire doit être allumé par le ciel. Ok. Et ici, nous voyons que Élie a mouillé le bois. L'autel était rempli d'eau. Il
il a fait le contraire. Il n'a pas marché selon les lois du cosmos. Je vous rappelle le chiffre 4 et 3 des cruches. Au lieu de fonctionner selon les lois du cosmos, Élie a fonctionné selon les lois de la révélation divine. Bien aimé, la révélation divine peut te pousser à faire des folies, à faire des choses dans le sens contraire des hommes. Oh, quand un bois est mouillé, pas une fois, pas deux fois, pour allumer le feu sur ce bois-là, ce n'est pas possible. Quand nous allons dans nos maisons, là, en demandant à nos mamans qui préparent dans des villages, en allant dans les bons lieux, là où encore on peut encore allumer le bois, ou bien tu vas même dans ta maison, sur le cheminée, tu remarqueras que quand le bois est mouillé, pour que le bois prenne l'eau, c'est compliqué. Donc Élie a mouillé le bois, a rendu les choses de plus en plus difficiles. Pour que quand les gens verront les résultats, qu'ils se rendent compte que non, ça c'est Dieu. Déjà, Élie mouille le bois dans un temps où il ne pleut plus en Israël. Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus d'eau. Mais il complique les choses. Je vais dire à quelqu'un, quelquefois le problème que tu as, le temps est en train de passer, les choses se passent, c'est vrai. Mais je veux que tu arrives à saisir, vraiment qu'à saisir, que les complications qui nous arrivent quelquefois sont de la volonté de Dieu. Dieu quelquefois il complique les choses pour que la main de Dieu soit constatée. Parce que si les choses se passent telles que nous avons résolu, telles que les gens l'ont voulu, à un certain moment on ne saura pas rendre gloire à Dieu. Les choses exceptionnelles sont obtenues par des situations exceptionnelles. Et quand tu veux avoir Isaac qui va engendrer un peuple puissant, il faut aussi accepter quelquefois Dieu te fasse enfanter très tard. Tout comme quand tu veux avoir Jean-Baptiste. Je veux dire que le temps, la gestion du temps ne nous appartient pas, appartient à Dieu. Vous savez, une mangue pèse même quand elle est verte. Mais ce n'est pas parce qu'elle pèse qu'elle doit être mangée. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas parce qu'on a des désirs que c'est le temps. Ce n'est pas parce qu'on a des envies de ceci, de cela, c'est le temps. Le temps appartient à Dieu. Ce n'est pas parce que les gens te disent que tu as trop grossi, que tu as trop ceci, que tu as l'âge de ceci, que tu as l'âge de cela, que le temps est arrivé. Le temps appartient à Dieu. Soyons sûrs simplement d'être dans la volonté de Dieu, de chercher la volonté de Dieu, d'être pas sous l'influence des démons, parce que les démons aussi peuvent te faire perdre du temps. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais quand tu es dans la volonté de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps appartient et appartiendra toujours à Dieu. Allez-y voir les gens qui ont cru gérer le temps. Ils vous diront que le temps ne se gère pas par un homme. Il n'y a que Dieu qui gère le temps. Alléluia. Donc, Élie a compliqué la situation. Quelquefois, Dieu peut nous emmener à faire des choses qui sont très compliquées. Soyons simplement déterminés. Ayons simplement cette flamme d'obéir. J'ai connu un homme. Cet homme avait acheté une voiture. Avec sa voiture, un jour, il reçoit un homme de Dieu qui est venu prêcher dans leur église. Et pendant qu'il est là, le Saint-Esprit lui dit, cette voiture que tu viens d'acheter, tu vas donner ça à cet homme. L'homme de Dieu vivait l'Afrique. Il y a eu un combat dans son cœur. Un combat extraordinaire dans son cœur. Entre-temps, ce monsieur, de toute sa vie, il cherchait à monter des entreprises. Les choses ne fonctionnaient pas. Mais ce jour-là, il a obéi à la voix de Dieu. À la fin du culte, il a demandé rencontrer le monsieur. Il est allé voir l'homme de Dieu. Il a dit que le Seigneur m'a touché. Le Seigneur veut que je vous donne la voiture que je viens d'acheter. Le monsieur, le pasteur lui dit, est-ce que tu en as beaucoup? Il dit que je n'ai que ça. Il prend la voiture, il donne au monsieur, il rentre ce jour-là à pied. Depuis ce jour, sa vie était très compliquée. Pour aller au travail, c'était très compliqué. Sa femme et ses enfants
n'ont jamais été d'accord que le monsieur fasse ces choses-là. Et la vie devenait de plus en plus amère. C'est pour ça que je dis que Dieu vient compliquer quelquefois les choses. Tu viens poser un acte de foi et après cet acte de foi, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Mais on est-il qu'il y a toujours une fumée qui monte? Parce que à ce moment-là, c'est comme si il y a et la révolution et la main de Dieu qui gère cette révolution-là. Jusqu'à ce que les bonnes nouvelles ont commencé à tomber dans sa vie. Quelques années après, ce monsieur est devenu un grand entrepreneur. Et il vous dira que les marchés que j'ai eus dans l'entrepreneuriat, je ne saurais jamais expliquer comment ces marchés sont arrivés vers moi. Quelquefois, il y a des gens qui ont entendu parler de moi que je n'ai jamais vu. Il y a des gens qui ont parlé de moi que je n'ai jamais vu. Mais la vie de ce monsieur a été transformée. Pourquoi? Parce que Dieu vient compliquer quelquefois certaines choses pour nous donner les meilleurs. Que Dieu vous bénisse. En résumé, je veux dire que le diable combat le sacrifice. Mais nous ne marchons pas par rapport à ce que le monde peut dire. Nous marchons simplement par rapport à la révélation de Dieu. Prie beaucoup. Quand tu as cœur même d'offrir quelque chose, prie beaucoup. Que Dieu te convainc. Alors à ce moment-là, fais-le avec détermination. Fais-le avec obéissance. Fais-le avec un bon cœur. Bien-aimé, cet enseignement est remonté dans mon cœur. Dieu me l'a déposé parce que je crois que Dieu ne veut pas que nous perdons ce que nous lui offrons. Dieu veut que nous récoltons derrière, même si ce n'est pas notre volonté de récolter, mais Dieu sait qu'il va nous donner en retour. Mais au moins que nous le fassions bien, bien, bien. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour l'esprit de sacrifice. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour le corban dans nos cœurs, dans nos vies. C'est par le sacrifice que certains peuples sont devenus libres. C'est par le sacrifice que certains peuples ont occupé leur cœur, leur terre. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas que c'est le sacrifice qui a payé le prix de notre liberté. Il y a des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour notre liberté. La France, l'Amérique et tous les pays du monde sont déterminés par le sacrifice des anciens. Ils se sont battus pour que leurs petits-fils soient bien. Au fait, Seigneur, nous avons compris que c'est les sacrifices qui créent la stabilité, que les sacrifices créent la prospérité. Quelquefois, pour que nous ayons dans nos jardins des arbres qui poussent, il faut d'abord que nous tuions les grains, que nous les enterrons. Aide-nous à enterrer certaines choses dans nos vies. Aide-nous à enterrer certains biens sur la terre qui est ta parole, afin que nous puissions récolter, Seigneur, des grands jardins, tels que les jardins d'Éden dans nos vies. Bénis ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez un peuple qui se sacrifie pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.